Nous célébrons aujourd'hui la Journée internationale de l'éducation, une journée choisie par les Nations Unies pour sensibiliser au rôle de l'éducation dans la paix. En France, le père fondateur de l'école est sans conteste Jules Ferry, homme politique de la Troisième République. En tant que ministre de l'Instruction publique, il a fait voter plusieurs lois à la fin du XIXe siècle. C'est lui qui a rendu l'école gratuite, obligatoire et laïque. L'école laïque est une avancée majeure puisqu'elle permet à tous les élèves de bénéficier du même principe de liberté suprême qu'est la liberté de conscience. À l'école, les élèves apprennent à former leur esprit critique et à tisser des liens fraternels entre eux. Les lois de Jules Ferry continuent encore aujourd'hui à fonder l'école républicaine française en s'inscrivant pleinement dans la liberté, l'égalité et la fraternité.